to feel lost in this cold, cold world. Wish it could somehow be real. Let's go back to a time where the lace and the seal dance together as one and induced in your poor mind. Far more than just a faint bliss. What's left them see. Mais ça veut dire quoi? Anna Kuhn et aussi Hurdy Gurdy Girls. Anna Kuhn, en fait, c'est la baie d'Anak. C'est un lieu dit en Irlande. Et puis, en fait, on a choisi ce nom de groupe quand on avait 14 ans. Donc, on n'a pas très, très bien réfléchi. et du coup, on est toujours là. Donc, voilà. Ouais. Et puis, Hurdy Gurdy Girls. Hurdy Gurdy, c'est la vie à la roue. Et puis, en fait, c'était des danseuses à l'époque du Far West. C'était des danseuses de cabaret. Vous êtes très connu en Suisse, dans la part de la Romandie. On m'a dit que vous faisiez beaucoup de concerts et tout. Pourquoi vous avez choisi l'Eurosong de participer? Déjà, merci, très connu, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un challenge qui est très intéressant. C'est vrai que de défendre nos couleurs, c'est quelque chose qui nous plaît. Et puis, l'idée, c'est aussi, comme on est un groupe, et c'est ce qu'on voulait aussi montrer sur scène, c'est que pour nous, c'est comme des frères, en fait. C'est une famille pour nous. Et en fait, de faire cette aventure ensemble, c'est que du bonheur. Ouais. En fait, vous êtes 8, mais pour les règlements de l'Eurosong, vous avez dû comment dire, laisser deux à la maison. Ils te regardent avec le streaming, ils sont maintenant à la maison à regarder. Non, ils sont venus justement avec nous. Ils pleurent un peu parce qu'ils ne sont pas sur scène, mais non, c'est pas vrai, mais ils sont là, ouais. Alors, beaucoup de chance pour vous et merci les garçons à tous. Et un applause pour Anna Kuhn.